mais t'entends pas. Why K-O-N-T-C-H. Bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre unboxing. On a dernièrement, les dernières semaines, on a fait Marvel, DC, Dragon Balls. Il manque mon plus grand fandom. Ceux qui me connaissent l'auront deviné. Teenage Mutant Ninja Turtles et Tortue Ninja, bien entendu. Et cette fois-ci, je vous reviens avec une figurine, mon Dieu, juste trop hallucinante. Ils ont sorti les tortues une après l'autre. Ah, certains voient déjà de quoi je parle. Oui, des NECA de Nickelodeon. Ils ont sorti Donatello en premier, si je ne me trompe pas, et ensuite Raphaël. Je trippais déjà sur Donatello, mais leur prix est exorbitant. Et au nombre que je dépense, non seulement sur des figurines, mais aussi sur les box et le fait que je viens d'acheter une maison, j'ai juste pris ma tortue préférée, Raphaël. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps que ça. Elle est lourde. Elle est énorme. Donc, ça, c'est de face. Sur le côté, on peut voir ça. Avec... Certains reconnaîtront un peu le logo ici comme le premier film. Et la tortue, évidemment, nous ramène au premier film. Voilà. Donc, props pour ça à NECA avec Nickelodeon. Ils auraient pu nous sortir une figurine de ces dimensions-là avec les tortues qui jouent présentement sur Nickelodeon. Personnellement, pas le design que je préfère. Très, très, très pour enfants. Malgré que l'histoire semble être quand même pour des adolescents ou pour aller chercher les fans des premiers temps. Par contre, le design, qu'ils aient revenu au premier film, props à vous. C'est tout à votre honneur. Vous savez que les fans des premiers temps sont rendus adultes et sont peut-être les seuls à pouvoir se payer des figurines de ce prix-là. Alors que si vous avez misé sur les tortues qui jouent sur la télé, à la télé présentement, vous aurez de la misère à les vendre, voyons. Mais bon, ne tardons plus. On va procéder tout de suite à l'unboxing. Je te dire que ton style pue comme le groupe ABBA. Si t'as ces genres de face. Ouh, oui. Enfin. Wow. Tu disais quoi? Et voilà. Notre ami. Voyez. Le détail. Le bandeau arrière, c'est du tissu. Pas ça ici, mais à l'arrière, oui, il y a un nœud et tout. Très bien pensé. La carapace. Wow. Wow, wow, wow. Jusqu'à les marques sur la carapace. De toute beauté. Je ne pouvais pas résister à une figurine comme ça. Je suis trop content de l'avoir, mais je veux savoir, vous, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse ce que vous en pensez. Êtes-vous fan de Tortue Ninja? Êtes-vous du genre à aller acheter des figurines de cette taille-là? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et comme à l'habitude, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine! Don't shy.